Dis, il nous fait quoi là, Mike? Je sais pas, ça fait 10 minutes que j'essaye de l'appeler. Si ça continue, il va être en retard. J'ai un autre mariage, moi, après. Je sais, je suis désolée. Je fais ce que je... C'est ce que j'appelle une entrée renversante! Bon, après cette entrée assez inattendue, nous voilà tous réunis, famille, amis, collègues, pour célébrer l'heureuse union de Mike et de son... Ah, micro-ondes. Veuillez à présent accueillir et applaudir les mariés. Merci, merci, merci. Mike? Oui, on attend quoi exactement pour commencer? La mariée peut-être? La mariée? Mais quel boulet! 12 seconds later. Ça y est, nous sommes prêts! Nous voilà donc réunis en ce jour de Saint-Valentin, vive l'originalité, pour célébrer le mariage de Mike donc et de son micro-ondes. Mike Michel Ridley, acceptes-tu... Son deuxième prénom, c'est Michel. ...ronde d'Arty, de lui jurer fidélité, loyauté et amour dans la santé et la maladie. Oui, je le veux. Micro-ronde d'Arty, acceptez-vous de prendre pour époux Mike Michel Ridley, de lui jurer fidélité, loyauté et amour dans la santé et la maladie. Si quelqu'un souhaite s'opposer à cette union, qu'il se manifeste maintenant ou se taise à jamais. Oh là 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 là. Il m'a trahi! Mais Mike, c'est un frigo! Mais on a eu une histoire avant! Oui, mais c'est du passé, allez! Faites-le sortir d'ici! Hé, hey, vous croyez que ça pèse 2 kilos ce truc ou quoi? Je suis pas les déménageurs bretons! Ah. Je savais que ça allait pas être un mariage normal. On peut continuer éventuellement? Oui, apportez les alliances, s'il vous plaît. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la... la mariée. C'est le plus beau jour de toute ma vie! Toutes mes félicitations. Allez, maintenant, go à la salle des fêtes pour manger la pièce montée! Yeah! Mike, t'as marié! Oh là là, qu'est-ce que je ferais sans toi, mon Fred? Sérieux, Mike, tu peux pas manger plus proprement? C'est mon mariage, je fais ce que je veux. Oh Maud, faudrait que tu me donnes l'adresse de ton pâtissier parce que c'est vraiment excellent. C'est Anne et Octavie qui ont tout fait. Tout? Oui, oui, les gâteaux, les biscuits et même la pièce montée. I'm impressed. Mais d'ailleurs, t'étais pas censée avoir un autre mariage à faire, toi? En fait, il a été annulé. Annulé, carrément? Mike a fait un bordel tellement monstrueux que les mariés ont préféré aller dans une autre église. Ah! Oui, ça a été aussi ma réaction. Ah! Et maintenant, un slow spécial pour les mariés! Applaudissez-les bien fort! Wouhou! Oh, un slow! Viens! Non mais regarde-les, il a pas l'air fin. En effet, d'ailleurs, il lui arrivait quoi à ce pauvre frigo? Oh, ça c'est une très bonne question, quoique personnellement je m'en fiche un peu. Oui, allô?
Bonjour, et c'est possible de vous avoir pour organiser un mariage à l'église ? Oui, mais comment vous avez eu mon numéro ? Bah, c'est Mike qui me l'a donné, quoi ! Mike ? Mike ? Bah ouais, Mike, quoi ! Eh, dites-moi, comment s'appelle votre futur marié ? Bah, il s'appelle Frigo Electrolux. Oh non !